Et oui, les temps changent et on réagit. C'est le cas notamment sur la toile. On va voir ça tout de suite avec Julia Livache qui nous rejoint. Parce que vous avez repéré un clip, j'allais dire, c'est l'actualité sur le net, un clip qui suscite pas mal de réactions. Oui. Ça nous vient des États-Unis. Exactement, je ne suis pas la seule à l'avoir repéré. C'est vraiment le buzz, on peut l'appeler comme ça. Regardez, ce clip s'appelle « This is America ». Voici l'Amérique, c'est Donald Glover qui chante. Au premier plan, ce clip, c'est plus de 100 millions de vues en quelques jours. Il évoque le racisme, le débat sur les armes, il évoque la violence. Il est très très fort en symbole, il remue le pays vraiment et il remue beaucoup la toile. Pourquoi ? Parce que sur Internet, c'est créé dans la foulée un hashtag This is America et que tous les internautes vont décrypter tous les symboles qu'il y a dans ce clip. Évidemment, on danse, évidemment, on chante, mais il se passe énormément de choses en arrière-plan. Bien sûr, ouais. Répression policière, tuerie de masse, c'est violent, c'est difficile. Il y a des scènes qui sont limite soutenables et du coup, sur Internet, c'est vrai que les réactions sont très fortes. Regardez, justement, This is America, toute l'attention se porte sur le pas de danse, alors qu'en fond, c'est l'anarchie. Et du coup, eh bien, on parle des armes avec ce hashtag, on parle du racisme avec ce hashtag, donc c'est un énorme mouvement. Merci beaucoup, Julia.